Je pense qu'on partage tous la même conviction, c'est que les entreprises ont quelque chose à faire dans, à la fois en faveur de la transition écologique, de la transition sociale également. Et en même temps, nous avons tous ces mêmes contraintes, c'est évidemment des contraintes de performance. Moi, ma conviction, c'est que nous pouvons créer des modèles économiques dans lesquels précisément cet engagement est source de performance. Et bien sûr, ces modèles économiques, il faut les promouvoir. Et je pense que ce grand prix de la marque engagée est précisément un lieu idéal de promotion de l'engagement des entreprises pour le faire connaître, faire savoir ce qui est fait par nos entreprises en la matière. Le Grand Prix apporte aux marques de la visibilité, de la reconnaissance. Ce Grand Prix est un Grand Prix qui va au fond des choses, qui vérifie effectivement la réalité de ces engagements, là où il y a beaucoup de greenwashing malgré tout. Et ça permet de distinguer les marques qui ont un impact réel de celles qui éventuellement font plutôt de la communication sur ce sujet-là. Donc c'est une valorisation, une reconnaissance extrêmement forte des marques réellement engagées. Alors j'ai accepté de présider ce jury avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour deux raisons. D'abord parce que c'est un prix qui va vraiment au fond des choses. Il y a une instruction très, très approfondie des dossiers. On va au-delà de la RSE vue de manière traditionnelle, c'est-à-dire des actions ponctuelles en dehors de l'activité de l'entreprise. Là, on cherche à valoriser au contraire des entreprises qui réellement, dans leur cœur d'activité, mettent en jeu des actions en faveur de ces transitions écologiques et sociales. Et puis, à titre personnel, moi, j'aurais énormément de plaisir à voir remonter les dossiers, toutes les initiatives, les belles initiatives qui sont prises par les entreprises concernées. Et en tout cas, je crois que je prendrai beaucoup de plaisir à présider ce jury. J'en suis vraiment ravi.